Suivez Combo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Une chaîne, une nouvelle république. Unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis au sang, six ou huit mois, la ribatage et notre deuxième partie Critique Info, mesdames et messieurs, la donne politique prend le dessus sur plusieurs questions. La question de Dieudonné Kalouba qui laisse la place à Dieudonné Kamuleta Badibanga, nouveau président de la Cour constitutionnelle. C'est l'info que j'ai lue ce matin. Martin Fayulu et Adolphe Mozuto ne parlent pas le même langage au sujet de la collaboration entre la coalition Lamuka et le Front commun pour le Congo. Dans le cadre des actions à mener pour aboutir au consensus sur les réformes électorales. Affaire 16 millions de dollars destinés aux intervenants du TENAFEP, Tony Mouaba et Nicolas Kazadi auditionnés à l'Assemblée nationale. Nord Kivu, une trentaine de rebelles M23 capturés et rendus présentés par l'armée à Goma. Béni, deux collaborateurs des ADF condamnés à 20 ans de servitude pénale principale. Sud-Ubangi, le parti de l'Union sacrée exige le départ du secrétaire exécutif de la CENI. Kisenso, par manque de route, la pirogue est utilisée comme moyen de déplacement par les habitants du quartier Kabila. Quelle ironie du sort. Alors, je voudrais ici vous lire l'actualité, hein, on va dire ça comme ça, l'actualité. Et beaucoup de questions sont posées. Est-ce que le juge Kalouba est parti puisqu'il a trahi? Est-ce que le juge Kalouba est parti puisque la loi le dit? Est-ce que la première partie vous a permis, pardon, à comprendre. Et ça nous a donné les éléments. Et moi, je vous ai donné aussi de toutes les façons. Et puis, vous avez, victime de l'affaire Matata, le juge Kalouba quitte la Cour constitutionnelle. Eh bien, c'est ce qu'on dit. Donc, on va se rappeler que le juge Kalouba est allé le matin comme président de la Cour constitutionnelle, mais il est rentré le soir comme un citoyen ordinaire. La vie ne cesse pas de nous apprendre beaucoup de choses, je ne sais pas pourquoi. On continue à tuer en Ituri, Félix Tshisekedi dénonce des dysfonctionnements dans l'armée et la police. On va décortiquer le propos de Félix Tshisekedi. Moi, je suis bizarrement choqué par certains commentaires des gens. Le président, quand il quitte le Congo et qu'il va dans un autre pays du monde, et où il trouve les Congolais, mais il n'y a pas de différence entre ceux-là et nous. Donc tout le discours que le chef de l'État tient à ces gens-là, c'est pratiquement le même discours qu'il pouvait tenir pour nous ici. Il n'y a pas de différence. Si le chef de l'État raconte aux Congolais là-bas que non, et pas n'abusez pas de Boma, n'a suspect basé bien armé, n'a la police, mais où est-ce qu'il fait le mal? Et puis les gens disent non, à quel moment Liban Namboka? Mais Liban Namboka devant qui? Mais il est dit devant les Congolais. Il est dit devant les Congolais qui ne sont pas moins importants que nous. Bon, quand on cherche la poule, la moutou, la bateau, la Kovo, il y a toujours problème. Tournant décisif signé Félix Tshisekedi. La Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta Badibanga aux commandes. Sam Aloukoun de la RDC n'est cependant exploré approximativement qu'à 19% de ses potentialités face aux investisseurs miniers au forum Indaba Mining Investing en 2022. Voilà. Sam Aloukoun présente les atouts du secteur minier congolais ce mardi, forte de son riche gisement en cobalt et autres minéraux, la RDC est brandie comme un pays solution en matière de préservation du climat et des fabrications de batteries électriques. Cette question de gouverneur, je vous avais dit, je ne dirai mot parce que après ça ne me concerne pas beaucoup, étant donné que ça ne règle pas le problème. Alors voici les propos du chef de l'État quand il est allé à l'extérieur.
Nous avons trouvé ce pays bien au fond du trou. Il nous faut beaucoup de travail et de la patience pour le sortir de ce trou. Cette phrase, Naibite Mabé Nangosa Nivoni. Naibite Mabé Nangosa Nivoni. Les gens pensent quand on dit ça, ça veut dire qu'on dit qu'il n'y a plus d'efforts. Non, les efforts sont faits. Les efforts sont consentis. Mais le pays était effectivement dans le trou, qu'il faut le sortir de ce trou-là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut le sortir dans 20 ans? Non, il faut le sortir. Mais il faut bien le sortir et vite le sortir. Mais dans ça, il faut aller patiemment. Vous n'allez pas aller... Parce que c'est une question de résultats, il faut attendre les résultats. Et c'est important de le dire. Donc ici, même quand on veut critiquer, on veut seulement critiquer pour le plaisir. « Ozana baninga oyoza kozoa bango lokola bandeko, me baza bandoki. » Malheureusement, ça continue qu'une question. Mais c'est vrai. C'est que le chef de l'État dit, ah, nous tous, nous le vivons. Tu considères des amis comme des amis, alors qu'en réalité, bango bazo luka poste na yo. Comme la Bible dit dans Psaume 35, quand ils avaient un deuil, je m'humiliais. Je déchirais mes vêtements. Ceux qui cambozaient, bango na komisa ngolo anga. Ceux qui bango ba beli na zolo ba nous sommes malades. Ceux qui ont eu un problème dans le but, nous avons un problème. Mais tant que vous pensez mon Congo, bazo quand ça va vendre dans la place na yo, il y a quand ça ranine, il y a la taraboué, biso to koza na ngote, il y a somba mama pango, biso to koza ngote, il y a somba boué, biso to koza na ngote, les amis avec qui tu bouffes, avec qui tu manges, pensent le mal de toi. Pense à ton fauteuil, ils veulent être comme toi. Mais ils ne font pas le même effort que toi. Ça veut dire que Bango Balingi va respirer le quoi, mais Balingi va transpirer le quoi. Yoza le quoi, viande, va chaler. Yo bimi liboso, babeta kao masasi, babeta kao va finga kao. C'est toi qui portes toute l'humiliation, mais eux veulent profiter de cela et ils veulent profiter à titre égal. Bango ne batomabe, et puis c'est vrai, c'est la mentalité de Congolais. On est comme ça. Moutape sur le boko, yo lingozo, moutape sur moussapi, yo lingozo le boko. Après, si on m'a dit, il y a combien, il y a combien, mais tu veux vraiment faire un problème personnel, André Ayo. Tu commences à regarder dans la gloire de l'autre, ta part. La gloire, Et c'est ça, mais il dit vrai. Nous vivons tous cette situation-là. On dit, on ne va pas te poursuivre pour tes erreurs. On va te pardonner, on va te laisser dans ceci. T'es occupé, on a voilà, t'es au landon, on a beauté. Mais vous continuez à dire, n'ayez pas de poste, n'ayez. Mais c'est ça. Bateau, vous êtes en train de faire ça, n'ingando, on est véritable chore. Mais c'est comme ça, tu es en même temps dans l'opposition, en même temps avec lui. Tu alimentes quelques mouvements citoyens. Ou peut-être bon, quelques mbongo, bah ça m'a quelé les bas qui ne goûtent plus, manabalabala, bah ganga. Mais en coulisses, tu les sous-traites, mais en public, tu fais semblant. Bando ki bangwana. Quand tu rencontres le chef de l'État, tu penses que tu dis président, oh venez président Nabisso, tant l'obéti na simobia longo, on a tout les postes. Mais c'est comme ça, c'est ça Bandoki. Bazawana, tu viens dans l'armée comme quelqu'un de bien, alors qu'en réalité c'est toi qui alimente ma groupe armé. Kindoki yangwana. Mais où est-ce que c'est faux? Qui ne sait pas que c'est comme ça nous on vit chez nous? Au fait, le Congolais, nous avons atteint une hypocrisie tellement que nous voulons, c'est-à-dire tout comme un niveau comme on a mabé le souté. Nous commençons à choisir ma maison ou ta place nine. Ce que tu koto, c'est que ça m'a bé. Ce que tu veux, c'est que ça m'a bé. Le mal reste le mal, mes frères. Que bolinga bolinga te, ma bé, ça m'a bé. Ozana baninga, oyoyo, oza kozo bango, loko a bandeko. Baza bandoki. Malheureusement, ça continue. Oui, kindoki, ça continue. Et c'est vrai. Moi, je me pose toujours la question. Bino bato, bosala bato, ma bé, bosala andene. Et puis, bosala bato, ma bé, bato, balie sabino. Comment vous arrivez à faire du mal aux gens qui vous ont nourri? Comment vous arrivez à faire du mal aux gens qui vous ont fait sortir de la situation là qui ont un mabé, monsieur on a mais au comico inayé, bon ça la rendaini. Namo kil ceux qui m'ont ça pesa wata et loko moko kanisa ine loko na pesa yo. Bon ça la raba comptable et mabé té. Zalaraba go zalaraba comptable makambo malé makambo malamu. Ozaki wana tu n'as pas de travail. Tu étais là, tu n'avais pas d'identité. Ozaki on va kita ne loko moko té. Quelqu'un te sort de là où tu es, à commission Moutou, et Yoko Moutou, no balouke lié. C'est ça le kindoki. Et les Congolais sont beaucoup dans ça. Ozaki, on a la place à Rola la dé. Camarade, non, moi, si tu es à Moubal, il y a vendu sur aussi, comme on dit, mon cher, toi, ma chère, vendre à Ndakounanga, Yoko vendre à Ndakounanga, tout vendre ensemble, tout lié ensemble, au comico tel à Moubal, il y a. Au comico, pour ça que Mana Moubal, il y a, au bout de Moubal, pour me tout est comme un yo. Non, ça va pas. Tu n'as niveau que tu es le même poison.
akufa kanga tika na bomengwana otika na bomengo motika otika na bomengo motika na maila bomengo ta tala ningi bolingi bobo tala ningi bolingi bobo ma magie bolingi bobo ma magicien pardon botika na magie na produit bino magien moni kindo kindo ki yangwana bando ki baza bato abomili konzi ya famille na bango pe akomi ko kapasi asono ko oliate po bomili konzi ya famille babo maka magicien te magicien babo maka ete. Pour atteindre vos angies magie, il y a une formule, on a besoin d'une formule. Bino Nicolas le coup, Nicolas le coso, Nicolas monter ma bébé, bolingi pour mon magicien. Ce qu'on a pour dire magien. Il y a un besoin de bando qui va vivre toujours na sima, bazar toujours na passi, vivre na mourir et matérialiser coloté parce que monter ma bébé zali, peto bo peto la mité manabino. C'est vrai, il faut le dire aux gens, bo peto la mité manabino. Donc yo yo bato mité ma bébé bazar mourir belé comme je le dis. Ozobundisa batu ou éviter combien de personnes prient pour na batu wana. Combien de personnes bazo sambela pour na batu wana. Ou éviter des pasteurs, des hommes et des femmes pieux bazo sambela pour na batu wana. Parce que yo ozui décision bundisa yeka na baluengi bo. Et c'est ça qui tue les gens. Quand on était petit, on nous disait que andoki na butunde bazo wana mbongo na tongo bazo na piaka. Arobo mali kondi a famille na bango akomo vivre na pasi. Alors que le sorcier, c'est comme ça. Et quand le chef de l'État le dit, mais il dit vrai. Il parle de Congolais, de la nature des Congolais. Pour nature na yangwana akola na vie mutema mabe ba tusu baza bongo atopesi 10 akobo ya 10 na ye azoka de ya muninga atopesi 20 ya kobo ya 20 na ye azoka de ya baninga bato mitema mabe bangwana ba barate ke vie za par rapport a mbongo bozo ate me vie za par rapport a organisation mutu na mutu les mauvaises des mauvais bato mitema mabe ba bandoki ce sont eux ya bina luka comment je peux faire pour ko chambuka na moto. D'abord, comment tu es citoyen? Mais tu imagines, pas que le pays, pas que l'homme échoue, mais que le pays tout entier échoue. Batumusu batana Congo, pona bango, fachi, azoate lo kote. Donc tous les malheurs du monde s'abattent sur lui. Comment quelqu'un peut aller à tina niveau wana? Même nous, quand on avait combattu Kabila, parce qu'il y a des gens qui parlent d'avoir combattu Kabila, mais en réalité, mon combat a été. Nous qui avons combattu ces systèmes-là pour de vrai. Nous, on a combattu ce système dans le système. C'est-à-dire, on a travaillé pas na bango, mais on a critiqué bango sévèrement. Ba bengani yo lelo, ba révoqué lelo, mais tu continues à demeurer dans ta position. Droit dans tes bottes. Mais on n'avait jamais tenu de propos comme ça. Mais surtout, moi, tout personnellement, je n'ai jamais demandé à ce que mes investisseurs bayate pour Kabila échoué. Non. Mais batumusu mité ma bezali. Et c'est vrai, bazali, des mauvais esprits, batumité ma bezali, il faut que le bayon. Batamité au mabé. Beba na kanamisu. Bago refixé moutoumisu te mouté au mabé. Ago taloté. Kanamisu kago batam. Des mauvais cœurs. Bazawana. Il parle de toi, il parle d'ici, il parle de là. Il participe à toutes les réunions où on parle mal de toi. Mais après, il vient te faire semblant. Mde kolangaï, yeba yelo kumoko. Moutou a participé na réunion. Yabatu. O bazo luka basa la au mabé. O bazo luka ba humilié yo. To bazo diminué yo. Moutou a participé na réunion wana. Et il vient. Il ne te le dit pas. Il ne te le dit pas. Et tu le découvres. Autour du pénal, Azalaki est Azalaki. Yepé est Yepé. Batoana, Longola, Bango, na cercle, na yo, baza plus que ma démon. Parce que je préfère encore un doki qui parle qu'un doki qui s'était. Plus qu'un doki qui parle, à gobetata libaku, à l'obil, comme vous comprenez, aux humaïles. Mais un doki qui se tait, fais très attention parce que tu ne sais pas quand il va te faire du mal. Batoana, modèle, wana. Mais attention, c'est toujours très important de le savoir. Si nous n'avons pas une justice qui fonctionne, il faut oublier l'état des droits, notre armée et notre police. Le chef de l'État, Balobio, a fondé armée, a fondé police. Le chef de l'État, c'est le patron, il y a armée.
Il est le patron des polices. Il est le père de la nation. Il est le symbole de l'unité nationale. Le fait pour lui de dire ces choses-là aux Congolais, moi, je ne vois pas un problème. Je ne vois pas un problème. Puisqu'il est dit aussi, il est dit ici aussi. Donc, il peut le dire aussi là-bas, il n'y a pas de souci. Mais il faut que les Congolais comprendre pourquoi ça ne marche pas. Infiltration il en a au sein de l'armée, il a dit. Mais ce qu'il a dit, c'est tout le monde qui le dit. Tout le monde dit la même chose. Concernant mon cabinet, je vous annonce la restructuration de mon prochain cabinet. C'est en gestation. Le personnel sera revu à la baisse. Et le chef de l'État l'a dit. Que restructuration en cabinet, parce qu'il y a Okibiso. On l'avait dit, monsieur le président, restructurer cabinet Nayo. C'est très important. Concernant la sécurité, notre armée y est également pour quelque chose. Dans ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, notre police aussi, qui favorise parfois certaines choses, qui amène l'insécurité et bien d'autres choses à cause de sa complicité. Il faut qu'on remette de l'ordre. Ça, c'est le chef de l'État qui dit. Il faut qu'on remette de l'ordre. Il faut qu'on s'y mette pour le remettre. Bon, une vidéo, mon côté. Soda Moropena Telemi, Batoubaye na moto, Bamisato na moto. Mais soda Betipe na plongeon. Avec un plongeon concentré, Kangi Guido. Batounia sur ma couille. Pam bagabo. Il y a moko kouiti ya dega. Alors dites-moi un peu, avec une armée comme ça, comment on va changer les choses? Tout le monde qui n'est pas policier dans le militaire, il y a des gars. Tout le monde qui n'est pas bambier, il y a des gars. On a vu ça, mais est-ce qu'on peut continuer comme ça? Bon, quand quelqu'un révèle, il dit que ces choses-là ne sont pas bonnes, mais bien à niveau. La justice, qui ne sait pas que la justice est corrompue? Qui ne sait pas que la justice est corrompue dans ce pays? Qui ne le sait pas? Tout le monde le sait, tout le monde en parle. Maintenant, il faut trouver des solutions. La démarche ici, c'est comment on trouve des solutions. C'est en mettant de bonnes personnes aux bons endroits. C'est en remaniant un gouvernement. C'est en redynamisant certaines choses. C'est en reconsidérant certains critères. Je crois que c'est ça. Sur la gratuité, ce que nous avons fait est encore minime. Parce que le niveau de notre enseignement est encore très bas. Les enseignants eux-mêmes n'ont pas de niveau. Il faut encore améliorer leur niveau. Ils n'ont pas la matière. Et là, le chef de l'État a encore une fois raison. Pourquoi il a raison? Puisque nous l'avons déjà dit plusieurs fois. Et puis, on dirait, chef de l'État, déjà, vous savez, j'avais dit les mêmes choses. J'avais dit exactement les mêmes choses. Donc, vous vous rendez compte que les problèmes de notre pays, au moins, on a un président qui connaît les problèmes du pays. Maintenant, la démarche qui va suivre, c'est comment on met en place maintenant un mécanisme de résolution, un mécanisme de solutionner le problème. C'est cette démarche-là qu'on attend maintenant. Puisque le problème, comme on le sait, et comme le plus haut niveau le sait, quand vous avez un président qui sait que même les enseignants ont un problème, c'est déjà une très bonne chose. Maintenant vient le moment, il faut agir. Mais moi, je le dis. Cette chose, on le savait déjà. Maintenant, il faut agir. Et je suis en train d'exhorter les chefs de l'État. Le remaniement est un impératif maintenant. Et heureusement que le chef de l'État a touché les ministères cibles. Il faut qu'on change Makambiangwa. Et les résultats étaient époustouflants, même si ce n'est pas encore satisfaisant pour moi. La première année, il y avait plus de 2 millions d'enfants qui sont revenus au milieu scolaire. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 4 millions d'enfants. C'est vrai. Ça a rajouté un autre défi qui est celui de l'accueil de ces enfants. Aujourd'hui, les classes sont surabondées. Monsieur le Président, la réplique à ça est connue. Je l'avais dit hier. Je l'avais donné. L'élément, comment sortir de la crise, on l'avait dit. Et si on le fait, rassurez-vous, on réussira encore à le faire. Il y a beaucoup de choses qui se sont ajoutées comme le réchauffement climatique. Est-ce que nous apprenons cela à nos enfants? Est-ce que nous les préparons au défi du réchauffement climatique? Est-ce que nous leur apprenons le comportement adopté dans la société comme les tri des déchets? Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais l'essentiel pour moi était d'abord de respecter la Constitution en appliquant sa recommandation qui est la gratuité de l'enseignement et de préparer ces jeunes. Pour le social, Kitokoville va sortir des terres très bientôt, je l'espère. D'après l'architecture, il me dit que je vais poser la première pierre au mois de juin. Bon, c'est là qu'on va maintenant dire au président de la République qu'il y a beaucoup d'endroits où le chef avait déjà posé des pierres. Et que jusqu'aujourd'hui, à part cette pierre que le chef de l'État avait posée, il n'y a pas d'autres pierres. Alors, si nous pouvons travailler d'abord dans les anciennes, là où on avait déjà posé des pierres, qu'on essaie d'évaluer ces choses-là, et c'est là où le jeu de la coordination intervient. Il faut donc mener des bonnes coordinations pour que là où ça, qui n'a nous pose des pierres, réaliser, au lieu d'aller poser des pierres. Parce qu'on risque de finalement faire 5 ans, et avec beaucoup de premières pierres, sans de deuxième pierre, sans de troisième pierre.
Moi, je propose humblement au président de la République de revenir d'abord dans ma place où on va poser ma pierre. Batala, qu'est-ce qui n'a pas marché? Si c'est un problème de financement, on trouve un moyen de financer. Si c'est un problème d'arrangement, on essaie d'arranger. Si c'est un problème de coordination, on essaye de coordonner. Pour que finalement, toute la solution, un problème autour d'un mot, j'estime qu'il est là véritablement important. Donc, je pense que ce sont les propos du chef de l'État. Alors, on a évité Mabé à un niveau minime. Et j'entends les gens dans leur ignorance, je comprends. Messieurs et dames, quand on est président de la République, il y a un langage à tenir. Quand on est président, il y a un discours que l'on tient. On ne tient plus un discours comme un opposant. On ne tient plus un discours comme un homme de la rue. Non, quand on est président, on tient un discours conciliant. Mais ferme et dur. Quelqu'un va me dire, bon, conciliant, Ndokiza. Oui, Ndoki, c'est un discours de rupture. Ndoki, c'est un discours de rupture, mais c'est vrai. Je vous ai donné les éléments ici. C'est notre vie de tous les jours. Et puis, souvenez-vous que Joseph Kabila l'avait si bien dit lui-même avant de partir. Il a dit que j'ai échoué dans ma mission de changer l'homme congolais. C'était ça le premier élément. Et on a dit plusieurs fois déjà. Donc, bref, tous ceux qui me connaissent connaissent mon point de vue sur la question. Mais je voudrais, avant de finir cette émission qui ne durera pas longtemps, messieurs et dames, chers rwandophobes, ceux qui pensent que nous devons continuer à parler du Rwanda comme si nous, on ne peut rien, je veux vous dire une chose. Nous devons changer les paradigmes de pensée. La carte et la chanson du Rwanda, on l'a tellement chantée, c'est bon maintenant. S'il vous plaît, c'est bon maintenant. On ne peut pas continuer avec le Rwanda matin, Rwanda midi, Rwanda soir. Nous, au lieu de veiller sur notre propre pays, nous commençons maintenant à veiller sur ce que le Rwanda fait. A signé contrat na Angleterre. Puis on a tout ça surexcité. Maintenant, on commence à réveiller un débat sur le Congo-Brazza. Vous allez finalement envenimer la situation pour rien. Donc, si le Rwanda traite avec la Zambie, nous, on va encore nous en prendre sur le Rwanda. Si le Rwanda traite un accord avec l'Angola, nous, on va encore se plaindre. Un pays ne se plaint pas, mesdames et messieurs. Un peuple ne se plaint pas. Il se prend en charge. Il travaille sur ses faiblesses. Il travaille sur les faiblesses de son adversaire. Il s'organise à l'intérieur, il s'autodétermine et puis fixe les modalités de son respect. Si vous n'arrivez pas à le faire, vous n'êtes pas un peuple. On ne peut pas continuer à se plaindre indéfiniment. Les pays, il y en a des pays qui ont été occupés dans le monde. Aujourd'hui, ces pays-là, en moins de 50 ans, se sont développés. Qui ne connaît pas que la Corée était appelée pays des lapins? Mais Corée était occupée. Qui ne le sait pas? Mais les États-Unis étaient occupés, colonisés, en même temps occupés par l'Angleterre. Ça n'a pas empêché à l'Amérique d'être une grande puissance aujourd'hui. Moi, je ne comprends pas comment est-ce que les gens... Comment est-ce que nous faisons dans notre tête? Comment on fait pour vivre stigmatisation là? Et on est là tous les jours, le Rwanda. On est parfois fatigué de la question. Ce n'est pas possible de focaliser toute l'attention et toute l'énergie au Rwanda. Si les Rwanda est une menace pour vous, devenez une menace pour lui. Si le Rwanda est une force pour vous, devenez une contre-force pour lui. Ne vous plaignez pas tout le jour. La Chine a été dominée, écrasée, occupée par le Japon. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe en Chine aujourd'hui? Ils ont même honte de parler de ça. Les Chinois ont honte aujourd'hui de dire qu'ils ont été menacés, ils ont été occupés par le Japon. Ils ont honte de le dire. Pourquoi ils ont honte? Ils disent, mais comment on a pu laisser ça arriver? Comment ils ont pu? Les générations d'aujourd'hui savent que plus jamais un truc pareil ne peut arriver. Les générations d'aujourd'hui le savent, que plus jamais un truc comme ça ne peut arriver. Et la Chine a travaillé dans ses frontières, dans son administration, dans son armée, dans son économie, dans sa technologie, dans sa science, pour devenir l'un des pays les plus puissants. Au point que c'est aujourd'hui, le Japon peut avoir peur de l'invasion chinoise. Mais le contraire est impossible. Qu'est-ce que le Japon peut faire aujourd'hui que la Chine ne peut pas faire? Qu'est-ce que le Japon peut donner que la Chine ne peut pas donner? Jusqu'où le Japon peut aller où la Chine ne peut pas aller? Mais nous vous parlons d'un pays qui a colonisé un autre, qui a pratiquement dominé un autre. Le Chinois était considéré comme des sous-hommes. Pendant que les Japonais étaient considérés comme des civilisés. Mais aujourd'hui, ça s'est transformé. La Chine n'a plus peur, n'a même pas peur du tout. Est-ce que la Chine passe son temps
Mais vous, ici, c'est compliqué. Aujourd'hui, messieurs et dames, le Japon peut négocier avec n'importe quel pays. La Chine va rester droite dans ses bottes. Pourquoi? Parce que la Chine sait qu'elle a des réponses. La Chine sait que j'ai une réaction. S'ils agissent, j'agirai. Le pays ne se plaigne pas. Le pays agisse. Les pays réagissent. Devenons un peuple fort, tout simplement. Devenons un peuple fort. Oh, quand tout tu power, tout tu power, tout tu power. Faites les loups power chez vous. Faites les bandes de power. Faites les gars la power. Excusez-moi de le dire, ça va vous choquer. Vous êtes faible. Et quand on est faible, on l'est. Vous pouvez faire autant des émissions. Tout ce que vous voulez. Produire autant des livres. Mais tant que l'âme qui vous guidera ne sera l'âme que des plaintifs et des accusateurs, vous ne réussirez pas. Ce pays va se développer le jour où il y aura des vrais hommes qui vont se réveiller et dire « On arrête de voir le Rwanda comme une menace, nous allons voir le Rwanda comme une opportunité de gagner. » Et de gagner, ça veut dire en imposant votre discipline à vous sur eux. Vous pouvez le faire. Le Rwanda l'a fait. 32 ans durant, le Rwanda était en train de trembler devant le Congo. Le Rwanda tremblait, il tremblotait. 32 ans durant. Mais ils ont étudié les faiblesses. Ils ont étudié les faiblesses, ils ont dit « Mais comment on va faire ?» Et quand ils ont eu la fracture, bam, ils ont frappé au bon, en plein cœur. Ils vous ont imposé un régime. Ils ont fait ça. Faisons la même chose. Mais c'est la roue tourne, faisons la même chose. Nous avons, donc pour nous, ça va être, pour nous, ça ne sera pas difficile. Nous, on avait été déjà forts, donc on peut réitérer les exploits. On ne demande pas d'inventer les choses. C'est le Rwanda qui a inventé la force. Parce que les Rwandais inventent la force. Nous, on était forts avant eux. Ils ont inventé la force. Ils nous ont dominés. Maintenant, nous faisons autre chose. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est réitérer les exploits d'hier. Répartons sur des bases. Il ne s'est pas passé 50 ans. Seulement 25 ans seulement. Il ne s'est pas encore passé 30 ans depuis que cette histoire arrive. Il n'y a que 25 ans depuis que cette bêtise arrive. Alors, on peut revoir ça. Des Congolais, des Aïrois qui ont mis Rwanda à genoux existent encore. Ils ne sont pas morts. Des Aïrois qui ont mis le Rwanda à genoux existent encore. Ils ne sont pas morts. Faites recours à eux. Appelez, soyez organisés, c'est tout. Mais c'est tout. Cette histoire-là, vous ne m'entendrez jamais me plaindre. Oh, même moi, même si le Rwanda traite avec Zambie, avec tous nos 9 pays voisins, Bata va traiter 20 fois. Ma réponse sera la même. La responsabilité, c'est nous. La réponse, c'est nous. Deux choses. Organisons-nous, anticipons. Point. Enlevons la peur. N'ayons pas peur d'eux. Pourquoi vous avez peur d'un si petit pays comme ça? N'ayez pas peur d'eux. Travaillez dur vous-même. Bannissez la bassesse. Proscrivez la vilainie. Déterminez-vous. Soyez sérieux dans ce que vous faites. Soyez engagés. Aimez ce pays. Aimez-le vraiment. Sortez du milieu de Ndoki et de mauvais. Éliminez dans vos rangs des tops. Éliminez dans vos rangs de jouisseurs, éliminez dans vos rangs de paresseux, éliminez dans vos rangs de craintifs et de plaintifs. Enlevez ces gens-là de votre rang et continuez la bagarre. Battez-vous comme des hommes. Non, c'est pas vrai. Quelle la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les lycées. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantit la fraîcheur. La sensation. Les parfums du corps. Fabriqués à base de plantes naturelles. Une explosion de saveur. France, contactez-nous au plus 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tuez aux hommes, ces hommes et noirs, Taïmada, Chino, Tuenélé. Oh,